Alors, toi, exhausteur de goût, il faut descendre. Tu peux en faire deux. Tu pourrais m'en faire trois, c'est possible. Lui, il est en cours. Et pour l'autre truc, faut juste descendre et ça. Ok, bah voilà, c'est bon. J'avais du mal avec le live. J'avais des lags. Ah. C'était dû à quoi? Dû à ta connexion ou au jeu? Bon, eux, ils bossent pas vite, hein. 12. 18. Ah, tu bosses plus vite, toi. Ok. J'aurais peut-être dû le faire moi-même, le machin à la main, en fait. J'ai des cendres. J'ai peut-être pas besoin d'autant de cendres, en fait. C'est quoi ça? De la poudre blanche, ok. La poudre brune. La poudre brune et la poudre jaune. Faudrait que je regarde qu'est-ce que je peux faire avec. Poudre brune et poudre jaune. Poudre brune et poudre jaune. À quoi ça va me servir? Alors, attends. Poudre brune et poudre jaune. Poudre brune, poudre jaune. La brune, ça peut faire du tannage. Ok, mais je sais plus à quoi ça sert. Et la poudre jaune, de l'alcaïde. Un conservateur. Ah, on pourra en faire ça. Et autre... Non. Ah, la poudre brune, ça sert que à ça. Alors, à ma connexion, quand il n'y a pas beaucoup de monde qui live... Attends. À ma connexion, quand il n'y a pas beaucoup de monde qui live, ça marche moins bien. Je vais demander la fibre la semaine prochaine. Bah moi en fait, perso, la fibre, elle est censée arriver. Elle était censée arriver en fait courant cette année, mais avec le coup du coronavirus, les travaux ont été arrêtés et remis à plus tard. Parce qu'en fait, normalement, les travaux ils devaient être en mars de l'année dernière. Et donc, normalement, en janvier 21, c'était censé être bon tout ça. Mais comme avec le coronavirus, comment dire, décalé, eh ben, c'est problématique. Alors, un stimulateur de croissance. Alors, l'engrais 1. J'en ai combien de l'engrais 1, moi? Qualité. Enrichi, enrichi. Ok. Ok. Je suis pas sûr d'avoir tout fait. Il te manque quoi? Ah oui, il te manque de la poudre, en fait. C'est ça? Pour faire... Bah non, pourquoi tu le fais pas? Ça, tu sais le faire? Regarde, t'as de la cendre et des trucs. Pourquoi tu le fais pas? Bah, je sais pas, il a pas voulu. Ok. Et toi, tu fais le truc extrait de vie pour l'autre d'après, c'est ça? Extrait de vie. Là. Ok. Il va pouvoir en faire 3. Vu que t'en fais 3. Ok, bon bah on va les laisser travailler un petit peu. Et moi, il faudrait. Alors, il faudrait. Que j'aille voir Jerry. Voilà, c'est ça. Il fallait que j'aille voir Jerry. Donc on est à côté. Le temps qu'il travaille. Alors, Jerry. À propos de la reine vampire. Jerry, avez-vous déjà rencontré une femme avec une cape noire et or? Quelle drôle d'idée d'aller poser des questions pareilles à un type qui souffre d'amnésie. D'amnésie partielle alors. Vous avez entendu parler de la reine vampire? Oh, ça me dit quelque chose. C'était le surnom de l'ex-femme du gardien de phare quand ils s'amusaient à leur petit jeu en privé dans leur chambre. Jerry, ce n'est pas le moment de rigoler. Je suis très sérieux. Alors, vous ne vous adressez pas à la bonne personne. Il n'existe que deux sources fiables des faits. Irréfutable, les femmes au foyer de la ville et les fantômes.
Je ne peux me rendre en ville, Jiri. Alors, repassez demain. Je vais papoter avec les fantômes du coin, mais je tiens à ce que vous sachiez que c'est de l'exploitation de travailleurs crâniens. Au fait, c'est quoi cette nouvelle odeur? C'est du trèfle, non? Ça sent grave. Pardon. Alors, suivant les jeux, c'est problématique. On voit mal le jeu, mais je suis obligé de mettre en basse résolution pour ça que ça lag. D'accord, ok. Alors, retenez à voir Jiri demain, ok. Alors, est-ce que j'ai d'autres trucs à faire entre-temps? Alors, Jiri demain, ok. Construisez une tente, ok, on peut aller voir. Je regarde. Fournissez lycée du sang, ok. Je peux peut-être... vas-y, on reprend 10 de sang. Il va falloir que je refasse des corps, hein. Parce que ça va être problématique. J'ai encore le bois sur moi ou pas? Oui, j'ai le bois. Alors, je peux refaire un saut de sang. Ah là là. Pam, pam, pam. Ok, ça c'est fait. Demain, Jiri. On peut aller au dodo. Voilà, on fait dodo déjà. Ça va sauvegarder. Ok, je me sens rafraîchi. L'alcool. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non. Ok. Alors, on n'est pas encore le lendemain, mais voilà quoi. On peut peut-être aller voir pour... faire une nouvelle tente. Ouais, on est à 6. Je crois que c'était 6. Pour une nouvelle tente. Ah non, c'est 8. Ah mince, c'est 8. Bon, bah, il faut attendre encore un peu. Ça, est-ce qu'on peut les améliorer? Oui. Oui. Qualité 2. Ok, c'est en cours. Ok, on peut faire des carottes. Ah ouais, niveau graines, vous êtes un peu limite. Ok. Niveau nourriture, vous en êtes où? Vous avez des choux. Mais il semblerait que les choux, il fait rien avec. Donc je reprends les choux. Les carottes, ok. Les baies. Je les reprends. Les champignons, ça va. Parce que je crois qu'elle fait des trucs avec des champignons, c'est ça? Pâté de champignons, ok. Pâte brisée. Ah. La pâte brisée. Attends, je peux faire quoi avec la pâte brisée? Pâte à pain. Ah. Avec du beurre. De la pâte feu... Attends, la pâte brisée, elle m'a dit? Pâte brisée. Bah, je peux faire des pains, en fait. Ah, je vais lui faire plein de pains. Attends. Pâte brisée. C'est pas de la feuilletée que t'as fait. Parce que la brisée, on l'a fait comment? Tu fais de la farine, et la farine avec de l'eau, ok. C'est la feuilletée que ça, ils font pas. Ok, c'est de la brisée, donc on peut faire des petits pains. Va falloir que je vide mes poches. Je réfléchis. Alors, il y a des engrais que je vais virer parce que ça sert à rien. Alors ça, l'enrichi, on s'en fout. Qualité, il m'en faut un tout petit peu. Le chou. Je sais plus, je fais quoi avec le chou. Je sais que j'avais une recette avec du chou, mais je sais plus c'était quoi. Je crois que c'était la choucroute, c'est ça? Je regarde. J'ai la choucroute, ouais. Il faut du sel. Les carottes. Non, ça c'est les poissons. Il est là dans le four. J'avais du chou ou pas?
Ok, j'avais du poisson avec du chou, mais voilà. Des lentilles. Oh, tarte au fromage. Ah, attends. Pâte feuilletée et fromage. Hein? Mais le fromage, ça se fait avec quoi? Je sais plus. C'est juste du lait ou... Attends. Le fromage... Le fromage... Je sais plus, ça se fait comment. J'ai eu la recette, hein. Le fromage... Tarte au fromage... Pâté de légumes, ok. Ah, pour le pâté de légumes, oui, il faut de la pâte brisée, ok, des légumes. Pâté de champignons, ok. Pâté de fromage. Mais le fromage, je sais plus comment on le fait. Attends. Bah mince, alors attends. La madame, elle sait faire le fromage, donc ça doit être dans cette table-là. Oh. Ah, fromage. Ah, c'est juste du lait. Ah, d'accord, ok. Si je ramène du lait... J'en ai plein du lait, en fait. Enfin, plein. Les cendres, je peux les poser. Le chou, je peux le poser. Je reprends mon lait. Ok. Ok, ok, ok. Cool, je vais faire un nouvel alcool. Ok, je regardais ce que si j'en avais sur moi en fait. Tac. Tac. Je voulais poser un truc, mais je sais plus c'était quoi. Rien. Bon bah on se TP. Au camp des réfugiés. Ah, on est à 8, c'est bon, je vais pouvoir faire une nouvelle tente. Une nouvelle tente. Ok. Boum, 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 boum. Ah, ça tapote, hein. Ok, plus 2. Ils sont contents. Bah tiens, des carottes. Il leur faudrait des nouvelles graines, en fait. Tiens, du lait. Lui, je peux lui refiler du sang ou pas? Ok. Nous commençons de plus en plus à nous sentir chez nous. Et cela, c'est à vos efforts que nous le devons. Merci, mon ami, pour la réserve et pour le feu de camp. Oh, c'est rien. Ce n'est pas très difficile. Apparemment, beaucoup d'autres personnes sont déjà prêtes à nous rejoindre. Pouvez-vous avoir la gentillesse de monter une tente supplémentaire? J'aurais également besoin que vous construisiez un établi. Quelques idées me sont venues. Je suis assez impatient de vérifier si elles seraient applicables. Et puis... En plus de nous être utile, le fruit de mes recherches pourrait peut-être également vous intéresser. Une tente et un établi. Fastoche. Ok. Alors, une tente, c'est simple. C'est quoi Ouais, c'est des bâtons, c'est bon. Du tissu, c'est bon. Il faut juste... du bonheur, ok. Et un établi. 16 clous, 10 planches et du bonheur, ok. Je vais me TP chez moi. Alors 16 clous, 10 planches. Alors, est-ce que j'ai ça en stock ou il faut que je demande à mes gars de le faire? Ah bah voilà, j'ai des clous déjà. Alors 16 clous. 10 planches.
Je sais pas pourquoi en fait ça. J'ai juste allé à ma machine parce qu'il prend direct dans mes coffres en fait. Il me faut 10 planches. 10. Et boum. Pam 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 pam. Après, je vais redescendre voir mes zombies près de l'église, s'ils ont fini. Ok, j'ai mes 10 planches, c'est bon. Alors, les clous, les planches. Ça, j'en ai pas vraiment besoin. Ok, tu peux refaire un peu de minerai. Ok, tu refais des lingots. Ouais, attends, je reprends. J'ai de la place? Oui, j'ai de la place. Je fais quand même beaucoup d'alcool, hein. Techniquement, j'aurais vraiment. J'en ai pas besoin, en fait. C'est juste que, bah, ça permet de. D'occuper un peu, quoi. Ok. Ah oui, il faudrait que je recommande des corps pour que l'âne y revienne et qu'il me dépose un nouveau truc. Alors, eux, est-ce qu'ils ont fini? On va regarder. Engrais de qualité 1. Ok, on peut refaire. Boum. Qualité 2, il faut des exauceurs de goût. Ok. Ils en sont où? Pourquoi tu travailles pas? Exauceurs de goût. Il te manque quoi? Des cendres? Des cendres. D'où il te manque des cendres? Je t'en avais mis une centaine de cendres. D'accord, il te manque des cendres. Ok. Bah, il me semblait en avoir presque. Ok. Ah, je les ai mis là, je crois. 60. Alors, je sais plus combien il lui en faut descendre. Voilà, hop. Une aile d'araignée. Ok, il bosse, tout doucement, mais il bosse. Bah on retourne au camp. On est à deux. Ouh. Ça fait une nouvelle personne. Les champignons, on peut les laisser. Quoique, attends. Ok, ça c'est bon. Alors, il y a des gens qui vont arriver. J'ai encore beaucoup trop de miel sur moi, quoi. Je
Ah là là. Quatre-vingt-dix. Ça fait neuf, neuf de... Ok. On refait... lui, niveau planche, c'est bon? Il est bon? Ah, lui, il bosse plus. Ah, ok. T'en fais 10, comme ça. Toi, t'en es où? Tu les fais en boucle, ok. Toi. Il te reste un comme ça. Et après, tu refais des lentilles. Ah, t'as plus de graines de lentilles. Ah, d'accord. Et toi? Non. T'en es où? T'as encore du matos? Ah, il te refaudra des clous bientôt. Je vais refaire un peu de clous. Ok. Je vais te redemander un peu de clous. Allez. Un petit peu. Un petit peu, hein? Ok. On va aller voir Jerry. Je pense que ça fait une journée là. Boop. Jerry. À propos de la reine vampire. Alors, les fantômes vous ont-ils raconté quelque chose? Bien sûr, un fantôme nommé William a rendu visite à des étudiants pour leur raconter que leurs oncles ont été tués par leur père. C'est d'une importance capitale, il n'y a pas à dire. Et à part ça, l'histoire de la cape noire et d'or. Ils m'en ont parlé d'un fantôme Zarbi qui avait débarqué du donjon. Il n'est passé qu'une seule fois, et c'était avant la grande déflagration. Il était même à la recherche de la même femme que vous. Elle lui avait piqué sa jambe, et elle refusait de la lui rendre. C'est mieux que rien, et donc, où pourrais-je trouver ce type bizarre? Il se jetait un peu, donc il devrait être devenir... Il zote un peu, donc il devait venir du 8e étage. Ne me demande pas pourquoi, et puis... Si vous voulez le faire apparaître, vous allez devoir besoin d'une amulette spéciale. Où pourrais-je trouver cette amulette? Eh bien, vous pouvez vous en fabriquer une. Il faut des intestins humains, de la cire et... Ah oui, des poils d'âne communiste. Ah oui, ne me demandez pas pourquoi. Ok, des intestins... des intestins, des En gros, il y a que les poils qui risquent d'être un peu compliqués, quoi. Ok. Hop, Donc, faudrait que je demande à Lan. Pour demander à Lan, est-ce que je dois passer par la boîte de commande ou je peux lui demander directement? Ok. Donc, il me faudrait des carottes pour appeler Lan. Non, pas du chou. Est-ce que j'ai des graines de carottes pas loin ou... Carottes. Ok. Ouais. Je crois qu'il m'en faudrait quoi 5 ou 10. On va essayer 5. Je sais plus si c'est 5 ou... S'il les prend par 5 ou s'il les prend par 10, je ne sais plus. Ah, il les prend par 10, ok. Pas grave, pas grave.
Un âne communiste. C'est particulier, quoi. Un âne communiste. Oh là là. Je suis en train de regarder, attends. L'amulette. Un établi, une tente. Il faudrait du bonheur. Elle, je la connais pas, la madame, là, en noir. C'est une nouvelle? Ah. Madame en noir, vous pouvez revenir, s'il vous plaît. Je pense que tout le monde va au dodo, là, vu l'heure. Ouais, je crois qu'il va au dodo. Est-ce que je peux faire un nouveau citoyen? Oui. Voilà. Donc, il y aura la madame en noir et un nouveau bonhomme. À trouver. Ah. Ça ressemble à un vieux en violet. En gris, plutôt. Avec des lunettes, ok. Ok. En plus, ils habitent tous les deux dans la même tente. Ouais. Alors, lui, il peut pas bosser parce que... il y a trop de bois. Mais ils vont arrêter leurs conneries, les chauves-souris. Réfléchis. Ok. Alors l'âne, je le fais pas tout de suite parce que vu l'heure, je vais bientôt arrêter en fait. Je vais bientôt arrêter. On va passer le temps un peu. Jusqu'au jour en fait. Attendre un petit peu. À peu près, ouais, jusque-là. Ok, alors. Ça doit être lui. Commercer. Non. La madame en noir. Ah, ça doit être lui, peut-être. Non. Ah, la madame en noir, elle veut quelque chose. Je serai bref. Souhaitez-vous que je vous file du boulot, crétin de... Tout dépend de la qualité du dit boulot et du salaire associé. Eh bien, j'aurais besoin d'une pierre tombale pour l'une de mes connaissances. Mais tous mes outils sont restés en ville. Pouvez-vous me procurer d'autres outils? Oui, et acceptez une condoléance pour votre perte. Qu'est-il arrivé à cette personne? D'après les journaux, je l'aurais étranglé au cours de notre lune de miel. Mais bien sûr, il s'agit de là d'un vil mensonge, tout comme le nombreux ragots qui circulent à propos des asphyxies de mes trois précédents maris. Une série de malencontreux accidents, voilà ce que c'était. Vous savez ce que c'est? Le feu de la passion, l'alcool, les petits jeux coquins, quelques jouets spéciaux pour stimuler le désir.